Tu me provoques, tu vas me trouver. Tu me cherches, tu vas me trouver, Aïcha. Hey, Aïcha, on commence à dire que chercher, tu vas me trouver. Provoquer, tu vas me trouver. Mais Aïcha, tu as encore fait quoi? Tu parles, tu dis que j'ai coupé mes cheveux parce que j'ai un gourmand. C'est qui a fait ce qu'elle a rasé sa tête, elle est partie à Louvre. Attends un peu, donc si j'observe bien, depuis tous ces temps que tu as la chevelure rasée, donc on dit que tu as eu le gourmand, ou bien c'est le gourmand. La fesse là, maman, ça veut même dire quoi. Bon, toi là, monsieur là, ça veut dire quoi? Dis-nous un peu ce que ça veut dire le gourmand. Celui-ci passe seulement son temps de manquer à pleurer. On te pose une question, tu pleures seulement. Bon, dans tous les cas, recule-toi, tu t'assois là-bas. Bon, toi, dis-nous ce que ça veut dire le gourmand. Et une personne entre les deux se retrouve dans une position où elle est en souffrance émotionnelle. Attends, papa, parce que là, alors ton français devient un peu trop délicat. Donc, essaie un peu de dire un peu le genre de français que nous, dans les Manchum, ton quartier, là, nous, on peut aussi se retrouver. Parce que quand tu dis souffrance émotionnelle, là, le mot est un peu trop violent. Hein. Moi-même, je m'en sors pas. Moi-même, je ne comprends pas le genre. Explique-nous un peu en français plus facile. Mais, tu as eu gourmand parce que, de base, tu t'es dit que la go, là, elle ne peut pas me faire ça, là. La go, là, elle ne peut pas me tromper. C'est-à-dire que moi, ma go, là, les gars arrêtent dans la rue, même, là, elle n'est pas prête à poser eux parce qu'elle est fond de moi. Elle est trop prête pour moi, en fait. La go est trop fond de moi, elle peut pas me tromper. La go est trop fond de moi, elle peut pas donner son numéro à quelqu'un. La go est trop fond de moi, si demain je suis pas, j'ai pas l'argent, mais si demain je fais une bêtise, elle peut pas me laisser. Tu t'es tellement mis cette image de perfection là dans ta tête que le jour qu'elle a fait ce que tu croyais qu'elle ne pouvait pas faire là, ça t'a détruit. Voilà, quand tu expliques maintenant comme ça là, tout le monde se retrouve maintenant. Tu as maintenant essayé de décortiquer tout le monde a maintenant écouté. Bon, Aïcha, toi-même tu écoutes ça. Tu t'es obligé de venir dire ça sur Facebook. Tu t'es obligé de venir dire ça sur Facebook. Maintenant quand moi-même je veux... Hein? Maintenant quand moi-même je veux commencer à sortir ta part de secret, c'est toi la première à venir qui va venir pleurnicher ça sur Facebook. Pleure pas, on ne pleure pas. C'est interdit de pleurer, interdit. Si tu pleures, c'est trop grave. On voit les gens comme ça. On avait signé un pacte de fidélité en amitié, Aïcha. On était les signes que papa pour dire que je t'avais promis d'être fidèle à toi, maman. Tu es Dieu qui veut être fidèle à toi. Faut te calmer, petite. Faut te calmer. Aïcha est mauvaise. Tu peux pas dire que j'ai coupé mes cheveux parce que j'ai un gourmand. Donc vous voulez qu'elle trahisse un peu et laisse pour elle. Hein? Sois décente, sœur. Mais est-ce que tu avais besoin de venir raconter ça sur Facebook? Aujourd'hui, nous vivons le digital. C'est un autre monde avec d'autres acteurs. Vous comprenez dans la compréhension? Je vais poster sans réaliser la photo du père avec qui tu sors. Je ne veux pas les pleurs. Pleure pas! On ne pleure pas! C'est interdit de pleurer. Elle va savoir que j'ai dit la vérité. Vous êtes parti manger le poulet avec un père là. Ce qui s'est passé après, tu es venu me raconter. Hein? Je suis venue te confier quelque chose. Tu portes, tu viens sur Facebook. T'es pompé les cœurs. Je vous explique maintenant le grooming d'Aïcha. Hey Léa, calme-toi. Je sais que tu as beaucoup de choses dans ton ventre là. Dis. Calme-toi. Je vais te donner tout le temps là. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas de cas. Grand-père, on peut commencer. Hein? Salut, salut encore et bienvenue encore sur une autre édition des Toulis du Quat. Oui, c'est les Toulis du Quat. Comme je le dis toujours à l'accoutumée, pour celui qui veut mettre ses organes là, pardon, qui passe seulement comme un taxi plein. Parce que ce qui concerne les retours là, non, le retour ça ne me concerne jamais. Je ne connais moi rien, moi, des retours. Parce que les gens de commentaires qu'on tape, c'est les commentaires des Manchum ton quartier. Oui. Tu connais même où on appelle ça Manchum ton quartier. C'est le quartier difficile là. Donc, les gens de langage qu'on tape au niveau des bas étages là. Donc, c'est les socos, les petits socos du quartier. Aujourd'hui, c'est. Maman, en réalité, même l'histoire, c'est un thème de passé. En fait, l'autre se confessait chez l'autre. Au lieu de garder ça jalousement, plutôt elle allait sur Facebook, elle a déballé ça, elle a versé, elle a trié ça là-bas. Donc vous m'écoutez, Léa, ce qu'elle a fait. Donc ce qui énerve Aïcha, vous m'écoutez. C'est parti, bon. Pompez les cœurs. Je vous explique maintenant son histoire de gourmand, pourquoi elle s'est rasée, ce qu'elle est partie à Lourdes là. Non, maman. Est-ce que vous vous souvenez de la soirée là qu'il y avait Minx? Il y avait Malox. Vous vous souvenez de la soirée là, Minx? Excusez-moi si vos noms sortent dans le buzz ici. Pas Malox, excusez-moi. Vous vous souvenez de mes chéris? Ok. Il y avait un ami de Malox là. Je vais vous expliquer pourquoi elle a coupé les cheveux. Vous pensez qu'elle s'enflamme comme ça pour rien? Elle s'enflamme parce que le jour là où les Minx et les Malox sont partis à la soirée là, il y a un ami de Malox que Malox était venu avec lui là-bas à la soirée là. Il a acheté les produits à Aïcha Camoise. Aïcha a commencé à
Si tu m'avais mal, comme Aïcha, il faut qu'ils prennent une photo. Ils ont pris une photo. Aïcha maintenant dit, c'est elle-même qui dit qu'elle prendra la photo avec l'ami de Malors là. Elles ont pris la photo avec elle, a pris la photo avec l'ami de Malors. Maintenant, après l'ami de Malors, elle a demandé son numéro. Elle a donné le numéro à l'ami de Malors. Est-ce que vous vous souvenez? Quand elle donne le numéro à l'ami de Malors, le gars achetait une gamme de produits pour la fla, pour la flatter. Dès qu'il a acheté la gamme de produits, il a dit, il a tourné, 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 quand la soirée est finie. Le gars est revenu prendre le numéro. Ah, tu m'entends que tu es trop simple, tu n'as pas des gars qui ont parlé pour les gens, pourquoi tu n'as pas ici? Mais si on doit trahir tout ce que tu veux sur moi, si tu sais à quoi tu as inventé, je m'en fous, je m'en fous, je m'en bats les ovaires. Maintenant après, l'ami de Malos est venu, maintenant il a repris le numéro à la fin de la soirée. Maintenant le matin, elle a centralisé, si vous voulez vous battre sur sa page, même là vous allez voir. Elle avait centralisé la vidéo de Malos, je vous l'attends. Ouais, excusez-moi ça, il y a une vidéo. Vous connaissez, non, vous connaissez l'histoire. Non, vous connaissez ça. La vie de Malos est venue le soir prendre le numéro, ils ont commencé à s'écrire. Maintenant, elle est rentrée chez elle, elle a monté la vidéo de Malos, elle a monté la vidéo où les Minx et les Malos sont venus acheter les produits chez elle, elle est venue poster sur Facebook. Ah, ne m'appelez plus, ne m'appelez plus. Laissez finir mon direct, vous m'appelez encore, laissez mon direct, c'est comment? Non, vous parlez, c'est quoi, ne m'appelez plus. Mais chérie, ouais, laissez vous dire non. Maintenant, après, quand la soirée est finie, elle a prendre le numéro, elle a monté la vidéo où il y avait Malos et les Minx là. Si vous dites que je manque, allez sur sa page Aïcha Kamoise, vous allez voir la même la vidéo dont je parle. Elle avait monté une vidéo comme ça où il y avait Malos et les Minx, c'est publié sur sa page. Alors, qu'elle a publié, quand je les appelle, non, c'est elle. C'est elle, je veux capturer quelque chose sur Facebook, m'appelle maman, laissez pas le tapas ici là. Mais chérie, ouais. Pompez les cœurs, c'est quelqu'un qui lance les appels comme ça. Pompez les cœurs, pardon. Pompez les cœurs. Tu as commencé à parler, pompez les cœurs, mes chéris. Voilà. Maintenant, écoutez, elle a monté la vidéo du gars, maintenant elle a monté la vidéo de Malors avec son ami, avec pour mise à la mise sur sa page Facebook. Le gars est venu le matin, maintenant lui écrit parce que son gars est pour le numéro à la fin de la soirée. Le gars a commencé à entrer. Je ne décroche pas ma chérie. Le gars est venu le matin, non, les prétextes maintenant il écrit que, ok, donc tu as publié la vidéo de Malors et Mince sans même être aussi sur la vidéo. Hein. C'est comme ça que le gars est entré en jeu. Elle a dit que non, ouais, c'est parce que ce sont les stars, non, ce sont les stars. Il fallait que je mette ça sur la page pour montrer qu'ils sont venus à la soirée. Le gars, elle a dit que tu es, on dit quoi, alors tu es où exactement en France? Elle a dit qu'elle est à Évreux. Qu'elle est à Évreux, où Évreux, c'est où, maman? Parce que c'est là, quand tu l'as envoyé, elle avait été à Fond in Love. Attends, je te bloque d'abord, Edith, Valessa. Vous savez qu'ici, sur ma page, c'est la dictature. Hein? Soit tu avais moi, soit tu t'écoutes, tu te calmes seulement, tu écoutes et tu regardes le live. Sur la page, c'est la page de la dictature. Soit j'ai mamie Soko, soit j'ai mamie Soko. Comme tu vois tous les gens qui sont connectés, parce qu'ils sont avec moi. Si tu peux être avec moi, tu te désabonnes. Mais chérie, comme je vous explique là. C'est pour ça qu'elle a commencé à chatter avec le gars. Le gars, le mec, tu vois, c'est qu'elle reste à Évreux. Le gars dit qu'il est sur Lyon. Le gars dit qu'il est sur Lyon. Aïcha n'a pas tardé pour sauter sur l'occasion. Au lieu qu'elle laisse le gars venir vers elle, elle a bondi dans sa voiture grise que vous connaissez là. Elle a bondi dans sa voiture grise que vous connaissez là. Elle est partie à Lyon. Le lendemain, mes chéris. Le lendemain, elle est partie à Lyon là-bas. Mais voilà qui parlait de Lyon. Je connais quelle ville en France. Les choses des enfants, non, vous êtes connectés en train de regarder. Non, vous êtes connectés quand même en train de regarder. Hein? Vous êtes quand même connectés en train de regarder la chose des enfants. Le lendemain, là, voilà qui saute dans sa voiture grise là. Pum, elle parle lorsqu'elle m'appelle vidéo. Pendant tout le chemin, on était sur l'appel, on parlait, on appelait, elle me disait, on parlait, déposé comme ça, d'abord on parlait, elle me disait qu'on va passer là-bas, comment déposer là-bas, New York. Tu m'as dit quoi? Il t'a dit que maman, il fallait attendre que le gars vienne vers lui. Tu as dit que non, avec toi, tu as dit que non, c'est pas toujours ça. Ici en France, les gars n'ont pas le temps, c'est un gars, c'est toi, quand tu traînes trop après, quand c'est la partie. Tu as dit que le gars était ton goût. Tu as dit que le gars était ton goût, oh, il est géant, il est grand de taille, il est géant, les gars tatoués. Ici, si vous voyez, le gars est comme un bandit. Le tatouage partout, le gars tatoué, il a tatoué le cou. C'est tatoué, ça s'arrête ici là. Tu sais, les gars tatoués, les gars qui ont percé les oreilles, les narines, Aïcha. Tu veux parler, tu que je suis parti, fais quoi avec Noël? Ils sont partis, le grand père ou le blanc a fait quoi? Ah, toi, non, c'est toi qui appelles. On vient une fois, ça, ils sont sur ça. Mais chérie, c'est elle qui veut gâter les appels comme ça, là, on finit une fois. Maintenant, elle vient et dit que j'étais avec Noël, avec le blanc, et quoi faire. Ah, elle est sortie avec un monsieur de 39 ans. Ouais, mon Dieu. Papa, les cœurs, pardon. Vous ne gâtez pas la peste, là, j'ai quoi le numéro plus 33, là, c'est toi. Papa, les cœurs. Tu sais ce que je veux parler, non? Mais chérie, papa, les cœurs. Mais dedans, elle a pris la route pour partir à Lyon, non? Qu'est-ce qu'elle a fait avec le jour? Wouah! Elle a gâté la paix, mes chéris. Elle gâte la paix, oh! Elle a tout gâté la paix. Yeke! Attendez! Plus 33, c'est la France, non? Plus 33, c'est la France, non? Non, je n'écoute rien. Attendez. Ouais! Mes chéris, pompez les cœurs, ouais! Vous dites qu'on parlait, tu peux pas parler. Plus 33, c'est pas la France, maman. Plus 33, c'est pas la France. Ok. Maintenant, la voix est partie à Lyon. Le gars est venu en bas là chercher, oh, voilà, au rez-de-chaussée. Où on a là, où on marche les blancs là? Où est-ce qu'elle a garé la cave? Où elle a garé? Où? Elle est montée. Qu'est-ce que vous avez commencé à faire aux escaliers? Quoi? C'est toi qui as commencé à mobber le gars dans les escaliers, non? Tu as commencé à mobber le gars dans les escaliers? Hein? Tu as commencé à embrasser le gars là qui a tatoué le corps jusqu'au cou, percé les oreilles jusqu'au nez aux escaliers, non? Tu viens parler du gars qui t'avait Aïcha. Toi, tu embrasses quel gars comme ça aux escaliers? Que toi-même, tu as démarré ta voiture. Tu as démarré ta voiture pour aller voir le gars là. Tu démarres ta voiture, tu quittes à Évreux pour partir aller voir un garçon. Tu manques quoi faire le jour là? Hein? C'est un peu comme si je demande à ma voiture, je quitte ici à Douala pour partir à Mangonior. Ya! Yeah! Ya! Yeah! C'est comme si je démarre ma voiture ici à Douala, mais son collègue, pour partir à Lumnior. Je ne peux pas! Je ne peux pas! Si tu es bon gars, tu viens sur place. Vous comprenez, mes chéris? Maintenant!